c'est un membre qui prend plan diamant qui t'a demandé l'an premier. Et c'est pour lui n'a fait le tout. Bon, après, il y a pile monde qui t'a fait demander. Mais c'est Sister Marie ou Marie Sister qui t'a demandé avant depuis là nous t'a fait diffusion Seafood Boil. Jeudi, nous allons faire une soupe aux fruits de mer. Seafood soup. Mais nous pas fait version française ou américaine. Non, nous avons fait version chinoise. Parce que la caméra maintenant fait tomber. Nous sommes bouillon, fruits de mer de gain. Les affaires seafood boil là. Eh bien, il est tombé. Donc, nous pas pouvons utiliser bouillon ça. Donc, moi, je vais le faire à la chinoise. Ok? Donc, moi-même, c'est la première fois que je fais connaissance avec soupe fruits de mer là. C'est dans un restaurant chez vous qui était dans la place Boyer, dans Pétionville. Elle était dans la place Boyer, en face de la place Boyer. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec soupe ça depuis que ça m'est tombé pour lui. Si mal dans un restaurant, bon, je pas tout le restaurant gagne, mais le plus souvent, moi toujours demandé soupe aux fruits de mer là comme entrée. Bon, moi en général, j'adore les soupes. Eh bien, nous pourrons le faire à la chinoise. Bon, alors. Les gens qui partent en manger chinois, nous ne pas mettre tout ingrédient météo, par exemple, je ne vais pas mettre là-dedans, si vous voulez. Mais il est très bon. Et puis, bon, il faut être ouvert aussi aux autres cuisines. Pas arrêter seulement attaché à la cuisine haïtienne. Il faut ouvrir pour goûter l'autre saveur qui est extraordinaire. Par exemple, moi, je goûte à la cuisine philippine, qui est intéressant. Par exemple, on plat qui est les boules à l'eau. C'est intéressant, on l'aime qu'a fait boule à l'eau à boulot. C'est un super plat, très goûteux, qui fait avec viande, bœuf, maïs. Donc, si nous voulons l'aime, fait pour nous. Dans les Philippines en 2013-2014, c'est plat ça, depuis mal dans le restaurant, toujours prend. Qui est les boule à l'eau, en plat philippino. C'est un Philippine. Alors, j'en dis là, il faut être ouvert aux autres cuisines aussi. Si vous êtes intéressé, il y a un autre plat, pile plat asiatique que moi goûter, m'ka. Fait pour nous au plat français, bon, on fait plusieurs déjà là. Et puis dernièrement, on avait fait le seafood bowl des États-Unis. Bon, allons voir les ingrédients dont on a besoin pour faire la soupe aux fruits de mer version chinoise. Songez à abonner, songez like vidéo, songez partager. Allez. Soupe fruits de mer, mais ensemble ingrédients avec outils nous pourrons l'utiliser. Fruits de mer, c'est le premier bagage qu'on a besoin. Là, nous gagnons un bol qui gagne un paquet de fruits de mer, qui gagne crevettes, qui gagne huîtres, qui gagne calamars, qui gagne bâtons de mer, avec l'autre encore peut-être, c'est peut-être poisson, et puis qui gagne langoustes. Donc, c'est ensemble fruits de mer, ça y est, nous pourrons l'utiliser. Alors, ou même, vous pouvez aller dans le supermarché, vous pouvez joindre des sachets de seafood mix qui gagne un pile fruits de mer là-dedans. Donc, pour faire soupe là, vous pouvez joindre facilement dans le supermarché, dans le rayon fruits de mer. On a besoin d'un petit qui est sel, ça c'est celle de mer. On a besoin des champignons, mushrooms. Ça c'est petit pois. Ok, que nous cuit déjà. Petit maïs, que nous cuit déjà. On a besoin de corn stock. Bien, bon, Max a les maïzena. Tout le monde sait faire quitter boîte pour tout le monde qui well. En français, il y a le fécule de maïs. En anglais, corn stock. Max a maïzena. Presque tout haïtien qu'on a. Comme son soupe, fruits de mer à la chinoise, on a besoin de œufs. On a pris seulement blancs œufs. On a utilisé deux pommes de terre, deux petites pommes de terre.
2 feuilles de laurier. N'a besoin d'un navet. N'a besoin yon demi bâton beurre. N'a besoin tout un spring onion. Li semble avec poro, son bagay ki tan kou poro. M'pa sonje comment on dit en français. N'a besoin l'ail, n'a besoin gingembre, n'a utilisé la céleri, cilantro, ben coriandre. N'a besoin deux morceaux poivron, yon rouge, yon vert. N'a besoin yon oignon. N'a besoin vin blanc de cuisine. Là nous gagne yon katas. N'a besoin l'huile d'olive, n'a utilisé deux cuillères là. N'a utilisé moulin poivre noir, malheureusement nous pas gagne poivre en blanc. Normalement c'est poivre blanc pour recette ça. Même pas si me gagne, pas de gagne là, donc m'a utilisé poivre noir là. N'a besoin vegetable chopper. Après bien nous ça c'est cadeau Nadège, t'es voyé pour nous. Appareil ça qui changer la vie la cuisine. Et puis n'a besoin d'outils magiques ça qui c'est un food processor bien robot culinaire là. Donc m'a mettez lien si nous voulez commander instrument ça yo dans description vidéo là. Et donc nous qu'à juste cliquer sous lien et puis nous commander yo et après venir la caille nous directement. Voilà, c'est ensemble ingrédients avec outils ça yo nous va l'utiliser pour nous faire soupe aux fruits de mer version chinoise là. On va commencer par réduire en pâte nos têtes d'ail. N'a tout fait même bagaille là pour avec n'a tout mélanger là avec gingembre là. Comme nous t'ai besoin très fin, très émincé. Donc n'a utilisé food processor. Donc j'aime dire noir, c'est des matériels qui sont vraiment indispensables pour cuisiner, il faut aller plus vite. Longtemps, ok. Maintenant, on va découper les oignons. La petite tête là, avec racine là. On découpe. On découpe à nouveau. Ok, ça va. Et puis, la machine miracle. Le vegetable chopper. Pour aller du savon. Bâton. Sinon, vous avez comme ça. Mettez le lien dans la description vidéo à vous. Vous pouvez commander. Il finit longtemps. Ok. On réserve. Les poivrons, on va faire de même. La machine miracle. Bâton. Comme ça, on n'a pas besoin de faire si on fait journée à prendre manger ou bien monsieur ou bien madame là. Font bonne table de manger là. On allait plus vite. Donc, pour faire cuisiner bien et puis rapide, il faut des outils. Voilà. Poivre nous, c'est bon. Ok. On va réserver. On va faire même bagarre là pour pommes de terre là. Couper en deux. La machine miracle. Et puis nos pommes de terre sont prêts. Ok, on va préparer les
mushroom, bien champignon. On va couper en 4 chaque graine. Bon monde qui dans vidéo c'est football là qui m'a dit il pas toi l'aime décaliser. Donc pour moi ça m'a fait spécialement en vidéo comme c'est pas moi décaliser, c'était caméraman m'a fait le fond vidéo pour nous pour je ne pas décaliser. Moi dit le pas toi l'aime décaliser. Donc ça ne pas c'est plus facile là qui va monde qui va faire ou bien. C'était pour rire, c'était une blague. Enfin, j'espère que c'était une blague. Hein? Calé sur, va se casser les gens, non? Oui, pour le m'accraser. Hein? Mais très bientôt, ma fait caméra maintenant faire une vidéo pour montrer comment pour caliser, parce qu'il était calé à moi. Ok, maintenant, nous allumer du fenou pour commencer l'opération. Ok, pour nous chocounia, on va mettre beurre. On ajoute nos oignons. On va faire revenir les oignons. Regarde la pire, mais français à l'aimer. On va faire suer nos oignons. On va faire revenir les oignons jusqu'à avoir cette apparence translucide. Entre-temps, on va ajouter l'ail et le gingembre qu'on avait pulvérisé dans le robot culinaire ou dans le food processeur. On ajoute les pommes de terre maintenant. Alors pour soupe ça, on peut mettre légumes ou vlé, légumes ou gagnés. Si par exemple vous avez brocoli ou bien chou-fleur, ok, ou te mettez là-dedans. Bon, même bagage là, mettez pommes de terre. Ok, nous baissons du feu, nous allons couvrir ça là pour nous quitter les cuites anti-crasse. Bon, nous allons dire temps, tout dépend de four gagné. Hein? Donc, tout dépend de peau à utiliser. Hein? Même peut-être 3-5 minutes, ça le suffit. Ok, là, nous allons prendre deux ténoirs pareils. Nous allons ajouter l'autre légume. Nous mettons là. Champignon noir, ça c'est un champignon qui était pré-cuit, donc ça fait ne pas mettre là avant parce qu'il était cuit déjà. Ok, il est bouilli déjà. Bon, presque tout élément de dégain là, il était pré-cuit. On n'a pas ajouté une autre crudité de dégain là qui c'est
céleri a que nous découpé, un bâton céleri. On va ajouter les petits pois. Le maïs. On mélange à nouveau. Quoi? Petit pois, petit maïs, des poivrons. Mais au bon tout. C'est beau, c'est préféré, mais ok, on va déglacer rapidement avec notre vin blanc de cuisine, hein, bien sûr. Ok. Bon. Pendant mélange nous a mijoté là, nous allons faire l'autre mélange qu'on y a là rapidement. Alors nous sommes gentils gain corn stock, bien maïzena, c'est mac là, ou bien fécule de maïs. Nous allons utiliser deux cuillères, peut-être deux cuillères et demie. Super. De corn stock dans une tasse d'eau. Bon, on fait des ganettes. Oh oh, t'es chargé. Ça cher, il y a plus de bloum que ça. Bon, bah c'est ça, deux cuillères. S'il va compte, on met en troisième. Et puis, on mélange ensemble. Bon, bah c'est le capon qui est encore. Ça me garde là. Hein? Bon, qui est toi, cas? Deux qui est toi, cas? Bah, vous voulez mettre trois pour le bar. On va faire mélange dans trois pattes. S'il manque, on arrive. Ok, et eh bien, on a vidé ça. Kounia là. Pendant la vignée là, nous allons faire un nettoyage. On va ajouter nos fruits de mer. Si vous voulez mettre les fruits de mer là, on va mettre le corn stock là. Ou bien fécule du maïs. Hein? Mais comme tout fruit de mer, ça vous a peine 2-3 minutes pour prendre pour cuire et ça fait mettre mettre avant, bah vous voulez sortir écrasé. On va ajouter faire l'oreiller noir. Et puis les poivrons. Et puis là, elle commence bien bouilli, nous allons mettre un petit de l'eau encore. On va ajouter équivalent à une tasse de l'eau et demi. Mais si tu veux, tu vas mettre de l'eau avant de mettre le fou de mer. Ok? Ok, nous allons quitter ça mijoter. Pendant la mijoter là, nous avons le travail nous allons le faire. On commence à préparer cilantro, ou bien coriandre là. Nous allons découper. Donc, cilantro, on va ajouter beaucoup de fraîcheur à notre soupe. Ok, c'est bon comme ça. Notre spring onion.
Ça yo, c'est dans fin à mettre yo. L'aide l'eau a commencé bouillir, n'a pas ajouté la veine yo. On va ajouter nos navets maintenant. Maintenant on va poivrer. Son j'aime te dire nous c'est poivre blanc pour nous utiliser dans cadre recette ça, mais comme ba poivre blanc mettez poivre noir là. Et puis on va ajouter on va saler. We'll add the salt. We'll give a little stir in our mélange. Début de commencer le moment de copier. Ok, n'a faut-il mélanger. Bon. Il y a des gens qui font un reproche pour goûter. Je vais mettre qui est dans la bouche. Non, mais je vais mettre. Alors, avec les formations que j'ai suivies avec des étrangers aussi, moi aussi qui est au métier dans bouche. Moi même comme haïtien beaucoup j'aime quand mettre qui est dans bouche. Beaucoup j'aime quand mettre dans bouche. Même prendre là et même toujours mettre. Bah mettre dans bouche haïtien. Moi est haïtien. Ok, c'est parfait. Maintenant on va mettre les œufs. Pour les œufs, c'est seulement le blanc qu'on va prendre, le yolk. Comme je dis en anglais, jaune de A, nous ne pouvons pas utiliser. Alors, il y a une version en superfood mer que les Chinois font mettre jaune dans. Mais puis il ne faut pas mettre jaune dans, c'est blanc seulement. Ok? On y va. On a cassé. Et puis, on va séparer. Songez, c'est blanc seulement besoin. Jaune dans la balle. Je n'ai pas fait notre recette. Maintenant, nous allons ajouter 2 cuillères d'huile d'olive noire. Alors, l'huile d'olive, ça, c'est une huile d'olive spéciale que j'ai préparée, qui gagne un paquet de l'huile d'olive. Si vous voulez, je vais vous montrer comment vous faire préparer l'huile d'olive. Ça, nous allons utiliser sous salade comme une vinaigrette pour sous salade. Nous allons manger olive avec elle. Nous allons manger tout ça avec elle. Donc, nous allons mettre un filet d'huile d'olive. On va ajouter notre coriandre. Bon, petit mot sur pause, je vais tomber dans le blanc du halal à la brutielle. Voilà, c'est fait. Et puis, blanc œuf, ok? On a juste ajouté le con ça dans le mélange noir. On a fait un petit brassel tout petit. Et puis, même côté, nous étions différents. Plau! Et puis soupe noire pareil. Kounya sin vle ka ajoute yon pati nan spring onion yon la, la dan kounya kon sa. Et puis voilà. Notre soupe aux fruits de mer version chinoise est prête. Ce n'est pas juste ma soupe préférée, mais c'est une excellente et très goûteuse soupe. Donc, quand vous voulez, l'infinissez-le, n'a tout adopté. C'est une superbe soupe. Et depuis les, moi-même, en 2003, moi goûté soupe ça, bah jambe campile. Depuis ma allé dans le restaurant, avant de faire le moi-même, toujours pour elle. C'est une excellente soupe. Vous devez l'essayer. Et pour confirmer que cette soupe est excellent, notre goûteuse officielle va venir goûter notre soupe. Parce que lui-même, il a goûté soupe chez vous, Pétionville, là, plusieurs fois. Voyons à quel point cette soupe est excellente. Salut tout le monde. Bon, là, c'est toute une scène, hein? C'est toute une ambiance chinoise, bol chinois, cuillère. Pour la soupe spéciale. Pour la soupe.
Bon, alors, si nous besoin tous tes instruments, ça, on va mettre les liens au bout, nous, cuillère, pour soupe là, bol là. Même bien que bol là, c'est en Haïti, je l'achète. Ben, depuis, il était avec tout. Wow, c'est vraiment. Moi-même, ça me saisit, ouais. C'est aspect glissé, là, que l'y baille. Même j'ai un sort de con. Exactement, même j'ai un sort de con. Prends déjà. C'est très bon. C'est très goûteux. Dis-moi qu'il y a piment chez vous seulement. Oh oui, piment mélangé. Il y a un monde qui bombe non, hein? Flick, pepper, bon, avec l'huile là, etc. Oubliez non. Bon. Ah ben tant mieux. On va essayer, surtout que c'est facile à faire, facile à préparer comme vous l'avez vu. Et rapide. C'est un plat rapide aussi. Bon, nous avons seulement des seafood mix, sachets, et nous avons un rayon fruits de mer, surgelés et supermarché en Haïti. Nous avons joué. Nous avons joué dans toutes les gros markets que nous connaissons. Ah ben, merci. Merci d'avoir confirmé. Vous comprenez? Moi-même, je prends pas mal. Pour le grand premier, vous pas oublié, il y a un super chat là. Dans le super chat là, nous avons. Et encourager chef là qui a voyé comme de coup avant hier plusieurs monde fait ça et n'a salué nouveau arrivé nous gain Caroline Ostiné qui c'est un nouveau membre qui fait souscrit donc n'a pas encouragé mon yo continuer si nous dit nous voulons supporter chef là nous connait gain tout moi vous comprenez nous ca dans super chat là voyez l'argent nous ca souscrit tout voyez l'argent. Et puis, les gens qui sont en Haïti, malheureusement, Super Chat là beaucoup disponible en Haïti ou pas qu'à souscrire, mais nous avons mon cash. Si nous voulons, nous avons mon cash dans le numéro ça qui a passé Kounia là, en bas écran. À bientôt pour une autre recette qui est chinoise, qui sera très haïtienne, mais soyez ouverts aussi aux autres cuisines. Bye bye.